Ok, salut à tous et bienvenue dans le 102e épisode de Arc Clusters. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, car aujourd'hui, on se retrouve toujours sur Genesis et vous le voyez, ma base commence à prendre un petit peu forme. Ça fait plaisir, ça prend du temps, ça prend énormément de ressources et je pense que comme sur Extinction, vous allez voir au fil des épisodes la base grandir petit à petit. Mais là déjà, c'est plutôt pas mal, on a déjà les machines principales, on va dire, que j'avais déjà au préalable farmé sur Extinction. Et du coup, voilà, je commence à avancer petit à petit. En fait, je construis la maison autour des machines, comme ça, ça me permet d'avoir suffisamment de place pour tout faire. Et puis de pouvoir les incorporer directement à la structure. Alors, je suis plutôt content de vous tourner cet épisode parce que aujourd'hui, on va s'attaquer aux quêtes de manière un peu plus sérieuse. Aujourd'hui, on va faire quelques courses en alpha. Et pour commencer, on va déjà prendre la tenue tech, hein, avec quelques éléments pour aller sous l'eau. Parce qu'on va commencer par la course de dauphin en alpha. Alors oui, on va faire directement en alpha, hein, je ne vais pas vous embêter avec gamma, bêta, tout ça. C'est un peu lent et tout. Donc autant se concentrer directement sur les courses en alpha. Et aujourd'hui, pour commencer, on va aller sous l'eau et faire cette fameuse course de dauphin. Bon, déjà, il n'y a pas à dire, les fonds marins sur Genesis, ils sont absolument incroyables. Franchement, je pense que ça fait facilement partie de mes fonds marins préférés. Alors, il y a encore quelques maps que j'ai pas trop observées, notamment Crystal Isles ou bien Valguero. Ouais, Valguero, j'ai été un petit peu, mais j'ai pas souvenir d'un truc aussi extraordinaire que ça. Mais en tout cas, les fonds marins de cette map, ils sont juste incroyables. Par contre, ces fonds marins, ils font un peu laguer, hein, quand même, parce que il y a énormément de sprites, de structures et tout, là, notamment les herbes et tout. Ça crée pas mal de lag, hein, malgré tout, mais ils sont superbes, quoi. Franchement, avec les trombes et tout, là, comme ça, waouh, trop beau. Bon, du coup, c'est assez rapide un dauphin. Petit jeu de mots, hein, c'est assez... C'est nul. Bon, allez, c'est parti. Non, pas changer la visière. On va directement démarrer la course en alpha. Oh oui. Alors, j'espère pas me faire attaquer avant le départ de la course. Ce serait sympa, hein. On va monter à bord de notre dauphin. Et on va run cette course. Alors, je suis désolé d'avance, mais je sens que ça va laguer à fond. Hein, ça va laguer à fond la caisse. Ok. On est paré. Messieurs, dames, en position. 3. 2, 1, let's go! C'est parti! On y va. Pour l'instant, ça lag pas trop, mais ça va pas tarder. Hein. Les lags, ils vont pas tarder à arriver. Ah, ça va encore. Ça va encore. Franchement. Salut le Moza! Hey, coucou! Là, je suis en train de faire une course. Tu l'as fait avec moi? Allez. On prend. Hop! On va se mettre à la troisième personne. Ça sera plus simple, je pense. La première, ça fait un peu peur de rater les anneaux et tout. Ok, pour l'instant, ça va, ça lag pas trop, un petit peu. Hein, 27 FPS, c'est pas incroyable. Lâche-nous à 60. Ouais, on fait ce qu'on peut. Hein. On fait ce qu'on peut au niveau des FPS. Mais cette course, elle est juste insane. Mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas. On doit arriver au bout. Et pour l'instant, on n'a pas fait d'erreur, donc c'est plutôt pas mal. Allez, à fond la caisse. Allez, les 30 FPS en laissant. Ça remonte. Ok, nickel. Ah, il y a ces structures marines aussi qu'il faudra qu'on aille visiter. D'ailleurs, on peut ramasser, je crois, les gemmes bleues, vertes et rouges là-dedans. C'est plutôt pas mal. Allez, attention. On va passer à travers les algues. On va plus rien voir pendant quelques secondes tout à l'heure. Ah, ces fonds marins, ils sont incroyables. Regardez-moi la beauté du décor. C'est juste incroyablement beau. Waouh. Allez, il nous reste plus qu'une minute 10 pour terminer la course. Ok, jusque-là, tout va bien. Parfait. Petit virage série. Oh, wow, les lags ici. Ah, j'ai l'impression que où il y a les lumières, c'est là où ça lag le plus. Un petit glitch sur le côté. Allez, on y est presque. 53 secondes pour atteindre la ligne d'arrivée. Ok, jusque-là, tout va bien. Et on n'a pas fait d'erreur, hein. Truc de fou. Il n'y a pas... Eh, normalement, on devrait pas la rater, hein. Je ne vois plus rien. Ok. Ouf. Ah la vache. Allez, on y est presque. Anneau jaune, on prend le boost de vitesse, on traverse ici, hop. On serre vraiment les bords des anneaux pour gagner un maximum de temps sur les distances. Allez, une vingtaine de secondes. Allez, normalement c'est le dernier. Non, il en reste encore 3. Plus que 2. Plus qu'un.
Victoire! Première place, excellent! Bon, en même temps, j'étais tout seul dans la course, hein, tu vas me dire. Et oh! Bon, j'ai pas eu du stuff incroyable, hein, des tenues en chitine. Oh, pourquoi pas? Mais après tout, on a réussi cette course. On va regarder le classement, je sais que les copains, ils ont fait la course aussi. Si je regarde en alpha, je suis devant Skell. Par contre, elle est devant moi sur pas mal de courses, donc il va falloir qu'on rattrape 2-3 choses. Oh, course de Manta aussi, je suis premier. Celle-là, la Manta, on va pas la faire, hein. Vous l'avez déjà vu 50 fois, la course de Manta. Donc on va pas la faire aujourd'hui, mais on va aller faire d'autres courses. Par contre, on va se barrer, hein, parce qu'on se fait attaquer, là, ça va pas. Nouveau biome, nouvelle quête, les amis. On est parti sur le roi du swing dans la tourbière. On va se faire une petite course de Bloodstalker. Ouais, je pense que ça va être sympa. On va la faire en alpha directement. Salut le Dimetrodon. Qu'est-ce que t'es pas beau, dis donc. Bon, allez, sans plus tarder. Hop, la course en alpha. On est prêt, on est chaud. Oh, on est motivé, oui. D'ailleurs, tout à l'heure, on dépensera nos hexagones pour acheter une petite caisse, là, une caisse rouge directement à 35 000 hexagones, sachant qu'on en a déjà récolté quasiment 65 000. C'est pas mal, hein? Ça fait plaisir. Allez, du coup, Bloodstalker ready. Attention, la course commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. C'est parti. Alors, ouais, départ. Ouais, ça va le départ, il est pas dégueulasse. Alors oui, il faut que je me concentre un petit peu, mais normalement ça devrait bien se passer, je pense, cette course. Honnêtement, elle est pas trop dure, sauf quand on se ramasse les branches. Ok, tout va bien. C'est où? Ah, c'est là-bas. Merde. Ok, pardon, j'avais pas vu la suite du parcours. Tout va bien. Allez, hop, on va passer ici. Nickel. Ça passe. Oula, il y a du brouillard. Attendez, on va baisser le gamma. Oh, c'est mieux. Ok. Jusque-là, tout va bien. Oh, c'est passé. On a eu de la chance. On a eu de la chance, il me l'a comptabilisé. Allez, un point d'accroche. Oui, de justesse. On a eu un petit point d'accroche de justesse. Là, ça fait plaisir parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Allez. On se propulse. On avance. Nickel. On va prendre la hauteur. Hop, ça monte encore. Allez, on tourne, on tourne, on tourne. Ok. Attention à la descente. Super. Jusque là, tout va bien. On devrait y arriver, je pense. Allez, on est chaud. Oh. Ok, je me suis posé sur une branche et j'avais besoin de reprendre mon souffle. Allez, oui! Attention! Oui! Victoire! Nickel! Bon, c'était un peu chaud, mais ça s'est bien passé. Et on a obtenu... Ouais, une matraque. Ah, la musique, elle se coupe, mais genre... direct, hein. Bon, c'est nice. Allez, on se barre d'ici parce qu'il commence à pleuvoir. Ok, on est arrivé dans le biome arctique pour le tigre à dents de slalom. Ça veut rien dire, mais bon, c'est pas grave. On va faire la course de Sabertooth et ça va être incroyable. Je pense que, ouais, c'est une de mes courses préférées. Alors, une des courses qui me fait le plus rager aussi, sachant qu'il y a tout le temps des dinos qui se foutent en plein milieu. Ou alors, il y a les Yuti qui nous effraient. C'est un peu random. Mais il est pas très beau, hein, notre tigre. On aurait pu nous en donner un plus beau, mais bon. C'est pas la beauté qui compte, c'est la façon dont il court. Et c'est parti, let's go. Allez, nouvelle course. On va descendre tranquillement la montagne jusqu'à arriver tout en bas et réussir cette course. Alors, il y a tout le temps des trucs qui vont... Je préfère aller doucement et éviter le cri du Yuti parce que, hein, bon, on a eu de la chance. Allez, jusque-là, tout va bien. Le Megaloceros, pars-toi. Ok, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Attention, on continue. On ne lâche rien. Jusque-là, ça va. Ok, le kangourou. Attention, le doued. Ouh là là. Il y a eu un petit trou, mais tout s'est bien passé. Le cheval n'avance pas. Attention, l'ankylo. Ok. Ah, oh, oh, oh. Ok, là, il faut sauter. Ok, jusque-là, tout va bien. Le terri, il faut pas qu'il tourne. Ouais, ils sont sympas les dinos aujourd'hui, hein.
Et les dinos, ils sont plutôt coopératifs. Et ça fait plaisir. Hop. Ok, tout va bien. Après, je pense que pour la prochaine course, on va inviter Skell et puis on va faire une petite compète les deux, ça va être sympa. Je sais pas encore quelle course on va faire, mais ça va être fun. Là, pour le coup, bah écoutez, là je vous montre les courses tout seul rapidement. Mais ouais, je pense qu'une petite course avec Skell, ça peut être drôle. Allez, on y est presque. Oh, Yuti, on est chaud là. Oh là là. Allez, on y est presque. Attention l'ours. Ah non, les cristaux. Ah, je n'avais pas vu les cristaux là, ils m'ont freiné et tout. Allez, c'est pas grave, on continue. L'argent, le cheval. C'est trop génial. Ok. T'as deux fois qu'on se sauve de beaucoup de choses là. Allez, le calico. Oh là, ça va être chaud patate. On va passer entre les deux. Ça y est. Ah, ça fait laguer. Oh là, le boost. Le boost qui a été littéralement perdu par la hitbox infinie du mammouth. C'est pas grave, on a bien de l'avance. Hein. On est tranquille là sur cette fin de course. Quoique, barrez-vous. On va faire un petit saut là. Ok. Non. Laissez-moi passer. Oh merde. Allez, jusque là tout va bien. La petite cavernasse. Ok. Tout va bien. On y est presque. On arrive à la fin de la course. Là, il va falloir éviter les cristaux. Oh, bien. Allez, avance. Oh, et là, on saute. Ça va être la fin de la course. Ah non, c'est pas ici la fin de la course. Elle est ici. Allez, go. Allez, on vole. Ah non, te prends pas un mur. Oh non. Non, il s'est pris le mur à la fin. Sans déconner, d'habitude, il vole à la victoire. Bon, allez, c'est réussi. Nickel. Je commence à avoir faim en plus. Cool. On a eu du stuff. Ouais, un petit peu. Ouais, ça fait plaisir. Allez, du coup, Elena, téléportation. On va aller retrouver Skell à l'océan. Messieurs, dames, bienvenue sur la Lune. On est en compagnie de Skell et... Oh, pardon. J'ai tout grillé. Attendez, on va se choper les drones et tout. On va se faire une course, du coup, de Tokyo Skiff. Je crois qu'ils appellent ça comme ça. Donc ça va être une course de skiff, ça va être sympa. Allez, faut pas qu'il se passe par là parce que je vais zooker les billes là-haut. Ah, c'est chaud, allez. Ah, ils sont sur Skell, j'arrive pas à les atteindre. Je vais m'occuper du Rex. Allez. Boum. Ça y est, nous sommes fin prêts. Bon, j'ai laissé ma wyvern ici, j'espère que tout va bien se passer. On va donc faire la course en gamma, mais c'est pas la difficulté de la course qui nous intéresse. C'est surtout qui de Skell ou moi arrivera en premier. Course de vaisseau spatial dans l'espace. Ça va être trop bien. Attention, est-ce que je sais encore manier la chose? Pas du tout. Alors, elle est déjà... c'est bon. J'arrive à décoller. Ok. Je décolle. Je m'écrase. Alors, normalement, il y a des boosters, mais je saurais pas les utiliser. Hein. Je vous avoue que... Je sais pas trop comment ça s'emploie. Allez, ok. Ok, jusque là ça va. Jusque là, on commence à... Ah, oh la vache, j'étais en train de tomber en chute libre. Comment on descend? Je sais pas. Oui, je sais que je suis hors course, mais je sais pas... Comment on descend? Je ne sais pas descendre. Est-ce qu'elle est partie? Oh, c'est n'importe quoi cette course. Allez. Ok, il faut vraiment que j'apprenne à le manier, hein, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas réemployé ça. Allez, monte. Alors, monter, ça, j'arrive bien. Descendre, il faut pas trop me faire descendre. Hein. Ok, en fait, ça se joue aussi avec ça. Ça, c'est bon à savoir. Putain, c'est serré, hein, la course. Oh la vache, c'est tellement serré. Le virage, hein. La course aussi. Surtout le virage. Mais accélère, nom de Dieu, avance. Regarde, elle est déjà là-bas au fond, elle. Et comment je prends le virage, là? Elle a réussi. Elle est trop forte.
Oh la vache, elle est tellement loin devant. Allez, tourne, sac à merde. Oui, ça c'est quand je rage, tu vois. Allez, descends. J'ai les 5 doigts sur le clavier. J'emploie mes 5 doigts en même temps. Oh merde. Ah non, j'ai raté un anneau. Oh, elle est large devant, elle est trop forte. Elle est beaucoup trop forte. Aïe, aïe. Bon, j'ai un peu frotté la carrosserie. Ça va. Allez. Oh, mais quel enfer. Je n'aime pas cette course. Je pense que vous l'aurez remarqué. Oui, allez. Bon, elle aurait gagné la course, mais on n'aura pas fait un résultat si mauvais. Hein. Il nous reste 7 minutes pour la terminer. Je pense que c'est pas mal. Bien joué, elle est première, excellent. Allez, à fond la caisse. Et paf. Elle avait large de l'avance, hein. Wow, trop, trop forte. Eh bah écoutez, moi je dis, c'est pour une première, eh bah c'est pas si mal, hein. En plus, 900 balles, ça fait plaisir. Et bien voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette petite vidéo spéciale course. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Dans le prochain épisode, on va se concentrer sur du tamming. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du tamming. On va aller se tamer des X-Dinos, ça va être absolument trop cool. J'ai vraiment hâte, voilà, j'ai 2-3 petites idées en tête, ça va être plutôt sympa. En tous les cas, si l'épisode vous aura plu, le petit pouce bleu comme d'habitude. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles mésaventures. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Allez, ciao tout le monde et bye bye, à bientôt.